Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture des cadeaux numéro 8, le calendrier de l'Avent de Scrap Didi et de la fête du scrap. Voilà, donc on va commencer par la fête du scrap. Oh, c'est juste trop beau, regardez. Un embellissement bois, certainement pour constituer. Ah, avec le mot hiver, regardez comme c'est beau. Certainement pour constituer un mini album, trop trop bien, ou une mini boîte. Éventuellement, je regarderai sur son site pourquoi c'est fait. Et ensuite, donc Scrap Didi. Qu'est-ce que nous avons? Oh, trop trop mignon. Oh, c'est trop choupinou. Un petit tampon avec une petite enveloppe, regardez comme c'est trop beau, tampon caoutchouc, super beau. Et là on a des matrices de découpe qui découpent les mots directement dans les papiers. Regardez, on a famille, amour, souvenir, ensemble. Ça c'est génial pour mettre sur les photos dans un album photo, c'est génial pour coller dessus. Impeccable. Mais écoutez, on se retrouve en suivant avec la réalisation d'un mini album que j'ai fait pour mon petit-fils, que je vais donner à sa maman, pour qu'elle puisse y mettre toutes les photos du mois de décembre qu'elle a fait de Choupinou. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Donc voilà, pardon, je perds ma voix sur moi. Donc voilà, le petit album de décembre que j'ai fait donc pour Choupinou. Donc là son prénom, voilà, comme ça, ça ma moulette va pouvoir la petite déco avec un petit bonnet en laine. J'ai mis des petits pistils rouges et dorés. J'ai mis un petit grelot, une petite poule de Noël que j'avais acheté l'année dernière, et dedans c'est très simple, j'ai pas fait de déco, j'ai juste mis les papiers. Je vais vous montrer vite fait pour que ma belle-fille puisse mettre les photos du
petit. Vous découpez différentes sortes de papier, tout simple. Et ensuite, je vais aller lui acheter un feutre blanc pour qu'elle puisse écrire dedans. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.